Bonjour à toutes et à tous les loulous, j'espère que vous allez bien en ce mardi après-midi. Rendez-vous non traditionnel de Coral Island. Et oui, habituellement c'est le mercredi. Mais petit décalage d'une journée, hein, vu que demain je ne suis pas disponible. Le son est bon, merci Chris. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est en même temps un peu le dernier épisode du Let's Play de cette saison 2. Let's Play Live, vu qu'on a fait que des lives. Hein. En attendant la mise à jour 1.1, il faudra me rappeler d'ailleurs ce qu'elle introduit, hein, et si ça permettra de reprendre la série sur plusieurs lives, ça on verra bien. Et donc pour le remplacer, ce Coral Island, à partir de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, ça dépendra de si j'ai mon fils ou pas, on ira sur The Witch of Fern Island que vous m'avez réclamé, et que le jeu a l'air de beaucoup plaire. Et c'est vrai que pour les deux tests que j'avais fait dessus, un en live, un en vidéo, le jeu est très cool. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'hiver. On est en hiver saison 2. Enfin, année 2, pardon. On va essayer d'attraper les bestioles qui nous manquent et qui sont disponibles pendant cette saison. Et après, on verra, on va broder autour de ça tout le long de ce live. Par contre, j'ai deux choses à vous dire. Alors déjà, je vous rappelle que sur le planning d'origine, jeudi et vendredi, on est sur Planet Crafter, samedi sur du Life is Feudal MMO et dimanche sur du Henge Runid. Par contre, le live de samedi, les loups, il sera avancé d'une demi-heure. Pourquoi? Parce que je vais voir un concert, voilà, ça rentrait dans les détails, à Toulouse, et que le concert a été avancé d'une heure. Donc, au lieu de 21h, c'est 20h. Oui, dis-nous. Au lieu de 21h, c'est 20h, et du coup, il y a quand même une bonne heure et demie de route si on prend l'autoroute. Et donc, finissant à 18h, habituellement, pour être un peu quand même en avance pour le démarrage du concert, un peu compliqué. Donc, on fera du 14h30-17h30 ce jour-là. Voilà. Et je ferai un petit coucou après, du coup, je suis parti dans les explications. Et ensuite, je vais vous proposer un sondage. Alors, ça, je le ferai après. Pour un live qui n'était pas prévu, pour savoir si ça vous intéresse ou pas, et à ce moment-là, le switch se fera avec un autre live qui était prévu cette semaine. Mais ça, je vais vous mettre ça et vous préparer ça juste après. En attendant, on va faire les coucous et on commence avec Caro. J'espère que tu vas bien, Caro, et bonjour à toi, et comment vas-tu? Qui a démarré le bal du chat, donc merci à toi d'être toujours présente. Bonjour à Chris et à Gérald qui vont modérer le live en attendant une arrivée fort probable de Mrs. Beers. Mrs. Beers qui profitera pas d'un live entier sur Coral Island, vu qu'on n'est pas mercredi. Et que du coup, elle bosse aujourd'hui. Voilà. Bonjour à Lyriel et bonjour à Linou. Et ainsi qu'à Laetitia. Je prends les trois femmes suivantes qui ont fait le coucou sur le live. J'espère que vous allez bien, mesdames. Et que vous êtes en forme. Linou, j'ai vu un jeu en accès anticipé sur Steam, c'est Echo. Est-ce que quelqu'un connaît? Il a l'air sympa. Alors, il a l'air très sympa. C'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. C'est un jeu qui est plutôt orienté coop, comme te l'a dit Chris d'ailleurs. Chris qui avait joué sur un serveur que j'avais loué, enfin, j'avais mis à disposition, enfin, loué du coup, hein, mais mis à disposition de la communauté il y a longtemps de ça. Et le principe, en fait, c'est d'empêcher une météorite, alors, je crois que c'est en 30 jours, in-game, de s'écraser sur la planète, donc de trouver un moyen technologique de l'empêcher, sachant que tu démarres un peu de zéro. Et il est conseillé vraiment de jouer à plusieurs parce que le jeu offre tellement de corps de métiers différents que tout seul, c'est quasiment impossible de tout faire. Sauf en faisant une partie avec des réglages bien définis, tout ça. Mais c'est plutôt une aventure qui se partage en multijoueur. Voilà. Pour les petites infos sur ce jeu. Bonjour à Sébastien, comment vas-tu? Et j'espère que tu es en forme aussi. Bonjour à Chasna, qui elle va bien. Ça c'est bien. Chasna, elle nous met toujours l'info de si elle va bien ou pas dans son coucou de départ. C'est cool ça. Bonjour à Elisa. Comment vas-tu Elisa? Ah, Elisa qui est tombée amoureuse, je crois, de The Witch of Fern Island, justement. Amoureuse, c'est un bien grand mot, mais elle est tombée sous le charme du jeu. Voilà. Bonjour à Natou. Comment vas-tu Natou? Et bienvenue à toi aussi. Je descends le chat, bonjour à Marine. Oh, ça faisait un petit moment Marine, ça fait plaisir. Une grande spécialiste du Farm Sim. J'espère que tu es en forme et que tu vas bien, comme nombre d'entre nous, hein, de toute façon. Je fais juste un coucou, je retourne au travail. Hâte de voir des lives de The Witch of Fern Island. Et ça marche. Bon courage du coup Elisa pour le taf. Même si t'es peut-être déjà partie du coup. Je descends, je descends, je descends. Bonjour à Madame Durand. Comment va-t-elle? J'espère que tu vas bien, Nadine, et que tu es en forme.
Donc du coup là on est bon. Je descends Linou, j'ai déjà fait le coucou, bonjour à Patrice. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour Alma. La même. Bonjour Souris. Comment vas-tu Souris Cats? En forme. Et bonjour à Marie qui vient tout juste d'arriver. Bienvenue à toi Marie. Installe-toi, prends place, détends-toi et profite du live. C'est incroyable. Donc du coup les loups, je vais vous faire le petit sondage. J'ai une clé d'un jeu que j'attends moi personnellement beaucoup. Que j'ai déjà pu un petit peu tester, mais j'ai pas voulu me spoil, donc en fait j'ai joué peut-être les 10 premières minutes. C'est un jeu auquel j'ai accès depuis un moment. Là j'ai eu ma clé entre guillemets définitive, sachant qu'après j'ai aussi, je vais recevoir le jeu sur console. Vu que j'avais kickstarté ce jeu et j'avais demandé une version console, mais avec mon partenaire 505 Games, l'éditeur français, je remercie d'ailleurs Gauthier qui m'a fait passer ma clé hier soir. Je peux vous stream ce jeu samedi à partir de 17h. Alors bien sûr, ce sera pas samedi, vu que comme je vous ai expliqué, on va faire un live un peu plus tôt que d'habitude. On va avancer d'une demi-heure pour que je puisse aller à mon fameux concert. Et donc du coup, ce sera pas possible. Mais potentiellement, ça pourrait être dimanche. À ce moment-là, j'avancerai le live d'Enshrouded, parce que Enshrouded, c'est un jeu que je veux garder. On l'avancerait à jeudi ou vendredi, parce que je sais que samedi, Chris n'était pas sûr d'être disponible. Et ce serait en balance du coup avec Life is Feudal MMO, jeu auquel aussi je dois faire un contenu dessus, mais je suis pas pressé, je suis pas pris par le temps pour pouvoir le faire. Donc je vais tout simplement vous mettre en sondage, vous demander votre avis sur quelle est votre préférence, c'est pas compliqué, hein, entre Life is Feudal. Alors, quel est votre... Oula, qu'est-ce que j'ai marqué? Waouh! Je ne sais plus écrire préférence. J'ai inversé le R et le F. Le deuxième R, enfin, le deuxième R après le F et le F en lui-même. J'avais marqué préréfence. C'est intéressant. Donc, quelle est votre préférence entre Life is Feudal ou... Et je ne dis pas le titre de l'autre jeu. Alors, je sais que c'est pas le public sur la chaîne, hein. Mais et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc, en premier, bah forcément, ce sera Life is. Et je vous mets les titres en entier dans les réponses. Voilà, parce que je les ai abrégés dans la question. Et hop. Alors, lui, il a un nom à rallonge. Je suis même pas sûr que je puisse le mettre en entier. On va voir. Ça va être juste, mais ça devrait passer. Voilà. C'est à voter maintenant. Et on laissera ça tourner tout le long du live. Voilà. Tout simplement. Donc soit on garde Life is Feudal pour cette semaine. Soit on part sur Eidun Chronicle, qui est donc un RPG. Par le créateur qui malheureusement est décédé depuis. Qui est décédé avant la sortie de son jeu, qui est le créateur de Suikoden pour Konami, qui a créé son studio indépendant et qui a développé un nouveau jeu qui est basé sur le même principe que les Suikoden, mais voilà, qui s'appelle Eiyuden Chronicles, tout simplement. Ça ferait un peu de changement sur la chaîne, mais bon, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider, je vous demande votre avis et je le suivrai. Quoi qu'il en coûte. Par contre, sachant que si c'est Eiyuden Chronicle qui gagne, je ferai quand même quelque chose sur Life is Feudal et MMO. Par contre, si c'est l'inverse, il y aura pas de vidéo, enfin en tout cas, il y aura pas de live parce qu'en vidéo, ça se prête pas du tout. Il y aura rien de fait sur Eiyuden Chronicles au niveau de la chaîne. Voilà, je vous avertis d'avance. Donc réfléchissez bien avant de voter. Sur ce, on va basculer sur le jeu parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, hein. C'est pour faire du gaming et pas du blabla. Je reprends le chat quand même. Hop, ça peut être utile. Et on est parti. Alors je crois qu'on n'avait pas réussi à tout faire sur la première journée de l'hiver, parce que là je crois qu'on est en journée 2 du coup. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hop, je vais remettre le son pour moi. On va faire le coucou à Alice. Et si je restais simplement à la maison toute la journée au lieu de sortir, mais Valentina me manque. Et ma sœur aussi. Ben sors alors, qu'est-ce que je te dise? Donc on attend un second heureux événement.
Dans Coral Island, un peu comme dans Malta Mad Sandrock d'ailleurs. Alors j'espère que je n'ai pas spoil d'ailleurs. Non, je ne crois pas avoir spoil, je ne sais plus. Bonjour Kraken, comment vas-tu? Ne connaissant pas les deux, je ne vais pas voter. Après, vous pouvez aller voir sur Steam ce que c'est, hein, les jeux. Vous tapez les titres dans Steam, ça, c'est vite fait, hein. Et coucou Aerowant, bienvenue à toi aussi. Coucou Rododingue. Ah, mais il y a plein de monde qui est arrivé pendant que je papotais. Bonjour à Vivi aussi. Excusez-moi, messieurs, dames. Je dis, je ne serai pas dispo, réunion de copropriété. Ok, Chris, ça marche. Je note. Je note dans un coin de ma tête. J'ai regardé tous les replays pour une fois que je suis. Attends, attendez, je vais mettre en pause. Pour une fois que je suis dispo pour un live, je suis ravi. Bah, c'est cool, Marie. Ça fait plaisir, ça. Parfait. Alors, attendez, hop, je redescends dans le chat. Et je vais bien, Kraken, merci beaucoup. Oui, il faut faire la serre, les animaux et les plantations. Les plantations, je sais plus où j'en étais. On avait replanté des trucs déjà, non? Ah, on pouvait planter que 2-3 trucs, mais. Mais du coup. Qu'est-ce que j'avais planté? Je m'en rappelle plus. J'ai encore du coton et du thé. Je dois encore planter ça? Je m'en rappelle plus du tout. Sûrement. Allez, c'est parti, hein. Oula, je me suis loupé. Incroyable cette façon de planter. On est des fous. Moi, je suis fou. Je perds la tête des fois sur les jeux. Donc on aura des cultures qui auront un jour de retard par rapport aux autres. Bon. Tant pis, hein. Ok. J'ai pas fait d'oubli, j'ai tout planté. C'est ça le plus chiant, entre guillemets, hein, quand on a des grands champs comme ça. Ouf, ça y est, on est bien. Donc on a aussi des coffres à ouvrir apparemment. J'ai des trucs à revendre aussi. Donc on va s'occuper de ça de suite. Très bien. Ensuite, alors on va... les animaux. Donc les animaux, est-ce que je les fais sortir ou pas? On est en hiver, hein, donc... J'avais fait Suikoden et j'avais adoré. Ah mais Suikoden est incroyable. Hein. Alors pas forcément très connu, hein, mais... Mais assez incroyable. Ah oui, alors du coup... Plus de paille. Ah mince! J'ai plus de paille. Va falloir que j'aille en acheter. Mémo, acheter de la paille. Par contre, je serai à la bourre vendredi, poste de la fibre, rendez-vous entre 11h et 15h, du coup il y aura 2h30 pour l'installation. Pas de soucis, Gérald, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Oui, pourquoi Laetitia? T'en as dans un coffre, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La paille, j'en ai, j'ai pas besoin d'en acheter. J'en ai 340. Effectivement, j'en ai. Par contre, est-ce qu'ils vont me faire la distribution maintenant que la journée a déjà démarré ou faut que je le fasse manuellement? Je pense qu'il va falloir que je le fasse manuellement. Hein. Salut Rémi, comment vas-tu? Bon, je vais la laisser là, ça fait de la déco d'hiver. Bon, là, on a du taf. Clairement, on a du taf.
Il neige, on est sur une journée pluie, du coup, on va dire, hein, pour de l'hiver. Ah, c'est rigolo, les étangs l'hiver. J'aime bien. Et ça va, Willy, merci. Ok, allez, on y retourne. Aujourd'hui, il faut le faire toi-même. Oui, 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 c'est ce que je pensais, oui. Merci pour la confirmation. Faut que je bosse avec mes petites mimines. Ok, ensuite. On est bon. Et le dernier. Évidemment, il y a du boulot, hein. Il nous reste la serre et faire l'intérieur des bâtiments. Ça, je sais pas encore. Donc, c'est parti pour l'intérieur des bâtiments. Pourquoi tu fais à la main, il y a un bug? Non, c'est parce que... c'est parce que j'avais plus de paille, donc du coup les machines n'ont pas pu remplir, et une fois que la journée est démarrée, si c'est pas rempli automatiquement, t'es obligé de le faire à la main, même si tu remets de la paille après dans le moulin, en fait. Enfin, dans le truc de stockage. Donc du coup, j'ai été obligé de faire à la main. Voilà, juste pour cette fois. Ok. Voilà l'explication. Ensuite ici, bah du coup j'ai rien. Il me reste que de la laine et le jus de raisin. Voilà, c'est pas de bol, c'est tombé en début d'hiver, plus de foin. Voilà, j'ai pas vérifié et c'est de ma faute. Ok, donc là on est bon. Je fais vite fait la serre et puis après bah, on va s'atteler à l'ordinateur pour regarder ce qu'il faut qu'on attrape aujourd'hui. Eh oui. Oh, il y a tout qui a poussé. Ok. J'espérais qu'il n'y ait pas tout. Bon, c'est pas grave. Hein. Est-ce que je vais pouvoir tout prendre? C'est toujours la question en fait. En général, non. Voilà, inventaire plein pour un arbre. Quel dommage! Très bonne idée, merci Laetitia. Alors, on va mettre ça là-dedans. Ça, c'est tellement plein. ça, non. L'huile, on va faire de l'huile. Ok, et on va mettre ça ici. Ah, j'aurais dû les mettre là, les... Bon, tant pis. Ils sont moins remplis ici.
Ok, donc, allez, les insectes. Il n'y a pas grand-chose l'hiver. Alors, apparemment, pas d'insectes. Et les poissons? Alors, il nous manque le poisson civet qui se fait de midi à 16h. Et de 16h à 18h, ainsi que. Ok. À l'estuaire. Alors, l'estuaire, c'est. C'est en dessous de chez nous. Ok. Le thon à nageoire jaune. Juste de 16h à 18h. Ah non, pardon, de midi à 18h. Donc les deux, c'est. Ok, il faudrait que je commence par le thon. Je sais plus ce que j'ai fait, pas fait au niveau des vérifs. Alors par contre, ça voudrait dire qu'il me manque que deux poissons. Alors que de mémoire, il me manque 4 ou 5. Hein. Bon, on va commencer par essayer d'avoir le thon. À partir de midi. Il est midi 50, donc on peut y aller. Et bonjour Chris, bienvenue à toi. Est-ce que j'ai encore des appâts? 49. Allez, c'est parti pour le thon. Est-ce qu'on peut dire que tout est bon dans le thon? Pas sûr, hein. Salut Simba. Pas mal le correcteur. Tu t'es bien repris, c'est bien. Poisson perroquet. C'est ça, Natou. Il y en a qui sont pas affichés jour de pluie ou neige. Oui, quand il fait soleil, du coup. On verra bien, de toute façon. Un tang! Eh ben voilà. Parfait. Ah, alors on l'avait déjà pêché et on l'avait offert à la déesse. Donc en fait, celui-là, c'est même pas un poisson que j'ai de manquant dans ma collection. C'est la meilleure, celle-là. Donc celui-là, il va pour le musée. Très bien. Mais du coup, on va aller à l'estuaire pour essayer d'avoir le poisson scie, machin truc, marteau, là, je sais pas quoi. Ah, le requin. Le truc, quoi. J'ai une TP où pour lui TP au phare. Du coup, l'estuaire, c'est quoi? C'est l'estuaire, c'est ici, quoi. Est-ce que c'est ici, quoi? C'est bizarre d'ailleurs comme endroit, hein, mais. Donc lui, on a jusque 2h du matin. Oui, ok, merci Laetitia. Merci Chasna. Ouf. Failli le décrocher celui-là. Ah bah voilà. Poisson d'eau douce légendaire. Il peut détecter l'électricité d'autres animaux.
Ok, et eh ben voilà, ça c'est fait. On peut aller au musée. Oh, il y a là à pied, tranquillou. Merci. Ce fut rapide. C'est le requin scie qui devient marteau. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait, quoi. Ok. On est à 334 items rendus. Il nous manque 3 poissons, 2 insectes. Alors les insectes, j'espère qu'ils vont pop s'il fait beau. Et les poissons aussi. Et toujours cette fameuse pierre qu'on a désespérément essayé d'avoir la dernière fois et qu'on n'a pas eu. Malgré des, je sais pas combien de tentatives d'ouverture de géode. Il veut pas, hein. Donc étant donné qu'il est déjà 16h, je vais pas me lancer dans un truc particulier. On va retourner à la ferme. En mode j'utilise mes papates. Et puis on va faire des trucs. On va commencer à vider les. Il se revend où? Non ouais, mais la meilleure vente, ça reste le l'autre requin, le requin blanc, non? Garou, non? Après, je peux essayer d'aller en récupérer un autre. Ah, le miel, c'est une horreur. Et là, les trucs se sont pas lancés. Comment ça se fait? Ah, ben ça y est, tu te décides, toi. Ah, ben merci, quoi. Alors, du coup, du sirop. Ici, on veut de la mayo. Et ici, c'est en cours. Bon. Au même prix que le requin blanc? Bon, bah, je vais laisser mes requins blancs alors. Ça marche, merci pour les infos. Bon, on revend pas grand-chose du coup. Ah, à 17h10, la map. 18h, le forgeron. On attend d'aller ouvrir les coffres. Il faut que je retourne à la serre, j'ai laissé des trucs par terre. Pas grand-chose, mais j'ai laissé des trucs. Voilà, ça c'est fait. Ce sont des petits chinois qui bossent dans les machines. Si tu n'es pas derrière eux, ils se tournent les pouces. Nomi sort de derrière cette machine. Alors, du coup, on va revendre ça, ça et ça. Ça, on va le mettre là. La serre. Ok.
Là-dessus, on est bon. Je pense qu'on va pouvoir aller se coucher. Fais attention, le durian est à offrir. Non, non, c'est bon, je l'ai donné. En fait, on a que... Genre, on a 6 ou 7 choix de trucs à donner. Et il n'y en a que 5 à faire pour valider. Il n'y a pas un délire comme ça. Ou alors, c'est un oubli de ma part. Mais il n'y avait pas une histoire comme ça. D'ailleurs, ça serait bien de faire le point sur la DS. Parce qu'il nous manque pas grand-chose. Oui, je sais qu'il manque le fameux plat, là. Là, il nous manque l'arowana. Là, c'est fini. Et là... le coton qu'on est en train de cultiver. La péridote. Et voilà. Je sais plus où c'était... Mais en fait, ça m'avait validé le truc... Voilà, ici. En fait, on en a 8 possibles. Il faut en rendre que 5. Du coup, sur ceux que j'ai pas rendus, ça me met que je les ai pas rendus, justement. Mais j'ai pas besoin, en fait. Voilà. Je m'étais fait avoir, il y a déjà un moment de ça. C'était, je crois, sur les graines. Les graines, c'est le même délire. Les graines d'arbres. Je sais plus où c'est. C'est là, plutôt. Non. Voilà. Je m'étais fait avoir sur un live, je m'étais dit, mince, j'ai pas rendu ça à la DS. Et en fait, si, je l'avais fini, mais il y a juste ces deux que j'avais pas fait non plus. Voili, voilou. Donc là, en fait, je peux pas faire grand-chose. On a toujours le taco, mais le taco, je sais plus ce qui nous manquait. Alors, ça fait bizarre de dire taco et pas tacos, mais... on était bloqué par une culture. Mais je sais plus laquelle. Le piment. Ah, le fameux piment, ouais. Donc tout ça, en fait, je peux pas le faire. Enfin, tout ce qui me reste à faire, pour l'instant, je peux pas le faire. Enfin, si, je peux le faire. Je pourrais essayer encore d'aller chercher la pierre précieuse, mais elle tombe pas, donc... Enfin, elle est tombée une fois et j'ai été la donner au musée, je pense. Enfin, j'espère. Parce que s'il faut que je la fasse tomber deux fois alors qu'elle tombe jamais, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Allez, on va se pioter. Alice qui passe le balai, c'est pas l'heure. Niveau 10 en chasse. Alors, je sais pas pourquoi, mais ok. 100 et 1000. Oui, ils vont tourner à la saison 2. Alors, moi, j'en suis. J'ai regardé l'épisode 2 et 3. Il me reste du coup 4, 5, 6. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes. Pas grand chose là non plus, mais bon. J'ai tellement peu de choses encore à rendre. Alors ici, on va mettre notre point où augmente les chances d'attraper deux fois plus d'insectes et de bestioles océaniques. Où les parfums durent plus longtemps quand tu pars à la chasse aux insectes. Ça, j'en ai pas besoin, donc on va prendre ça. Voilà. Les parfums, je m'en suis jamais servi. Il n'y en a pas besoin de toute façon pour attraper les insectes ou les bestioles océaniques. Clairement pas. Hein. Donc aujourd'hui, il neige pas. On est sur une journée ensoleillée. Du coup. Il va bien me manquer un insecte quelque part. C'est pas possible autrement. Eh ben, non. Alors, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelques insectes et poissons qui n'apparaissent pas, quoi qu'il arrive, sur l'ordinateur? Parce que là... c'est où qu'on voit les collections, déjà? Il me manque deux insectes. Tu pêches et ça monte. Ah, il y a 8 épisodes, ok. Tu pêches et ça monte la chasse, c'est logique. Ouais, bah ouais, ouais. Il me manque un papillon, en fait, et une espèce de chenille. Et on a eu en 2 jours, là, beau temps et mauvais temps, et il n'y a aucun des deux. Donc là, j'avoue, je comprends pas.
J'ai l'impression que les poissons, ça va être pareil. Sachant que l'année 2 qu'on est en train de terminer, on a fait ça à chaque saison. Hein. Et à chaque fois, j'ai tout récupéré. Hein. Bonjour Lydie, comment vas-tu? Donc là, je suis un peu perdu. J'ai pas de poisson non plus à attraper. Alors là, remontre les insectes manquants. Il me manque un papillon. Donc le dernier de la deuxième ligne et le premier de la toute dernière ligne. Une chenille. Poster deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Merci, Chris. Ça me rappelle des souvenirs. Peut-être à la fin de l'hiver, après le 15. Ah bon? Ah mais si, il y a des périodes en plus pendant lesquelles il faut regarder, on va jamais y arriver, quoi. Moi, ça me fait pareil. La chenille, c'était en automne. J'ai rien eu en automne. Il y a des journées précises, alors. Il doit y avoir des périodes précises, non? C'est un truc comme ça, non? Alors, je laisse l'image pour Laetitia qui est en train de check. Cela, j'avoue. Donc, en automne, il va falloir refaire une troisième année. Oh là là. Quasi complète en plus. C'est Rani et Storm. Le soir est très rare. C'est le jeu qu'on va faire en stream cette semaine. J'avais prévu au départ Life is a Dalai MMO, qui est un jeu un peu à la Myth of Empire, on va dire. Donc jeu de survie où il faut beaucoup farmer, beaucoup, beaucoup farmer pour faire des choses. Et Eidun Chronicles 100 Heroes, c'est un accès spécial que j'ai de la part des devs. Bon, même si je ne pourrais pas le faire le jour où j'ai l'accès à l'heure dite, on le fera le lendemain. C'est un RPG, c'est par le créateur de celui qui avait fait la série des Suikoden. Voilà. Donc Rani et Storm, là que tu me dis, Laetitia. Donc le soir est très rare, ok? Mais les deux, c'est en automne? Parce que bon, Sébastien, le 15, entre 14h15 et 14h20, va avoir du mal quand même. Le papillon, c'est le morpho. Et il est en été, matin et après-midi. Donc j'en ai loupé un en automne et j'en ai loupé un en été. Eh ben, bon bah on laisse tomber alors. On laisse tomber. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon là forcément il n'y a rien qu'à pousser. Hein. J'ai pas à m'occuper des animaux, à part Mira. C'est un légendaire. Je suis dégoûté parce que on a très vite attrapé les deux poissons d'hiver qui nous manquaient, puis bah du coup au niveau attraper des choses on n'a plus rien à faire. Donc du coup voilà quoi. J'avoue que ça me saoule un peu.
Ah oui, je peux définitivement pas passer ici. Alors j'ai une noix de coco aussi à trouver, je crois. Du coup, le live va finir plus tôt. Mais non, mon cher Chris, on va aller farmer la mine pour essayer d'avoir la pierre qui nous manque. Tu crois pas que tu vas t'en sortir comme ça quand même? Non mais... C'est fou ça. Bon, le raisin, je vais le revendre. Le jus de raisin, je vais le revendre, hein, parce que voilà. Là, j'ai toujours pas de miel de fée. Le arowana argenté, c'est bien en hiver, mais dans la mine terre ou eau ou air. J'ai vérifié sur mon jeu, vu que j'ai tous les insectes, effectivement, il te manque le morpho et l'autre, c'est papillon du céleri. Et du coup, mais à n'importe quel moment... Aucune importance le moment où on va le chercher. Les cactus, c'est dans les bocaux Mason. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Maintenant, j'ai pas vérifié, en fait, hein, si ça marchait bien. Alors attendez, j'ai oublié de mettre. Matin et après-midi. Bonjour Flowball. Flowball, pardon. Bienvenue à toi. On va dire Flow, hein. Ce sera plus simple. Matin et après-midi. Bon, on va essayer d'y aller, du coup. Matin, après-midi. On va y aller de suite pour pas perdre trop de temps. Est-ce que j'ai rien oublié de faire? Culture, c'est bon. Les bâtiments, on va dire que c'est bon. Les animaux, j'ai rien à m'occuper de pour eux. J'ai fait la serre. La Rowena, ça nous permettrait de terminer encore un truc à la DS, ce serait cool. Faut qu'il y ait du vent. Non, en fait, les jours venteux, c'est encore une autre condition en plus du soleil ou de la pluie. Il y a trois conditions à respecter pour... Alors, tu m'as dit dans la mine, terre... Oh, bon, bah, elle est dans la terre. Hein. Et donc, je peux pêcher là, par exemple. Comme ça, là. C'est chelou quand même. Ah, j'ai eu le truc pêcheur chanceux où j'ai pas besoin de tirer. Ça, c'est rigolo, ça. Ça m'a surpris, j'ai cru que j'avais loupé mon coup. Et en tant que j'étais pas venu sur tes lives, c'est gentil, Flo, merci. Oui, effectivement. D'accord. Et donc du coup, il apparaît pas sur l'ordinateur, lui. Ah, il le faut deux fois. Bah oui, logique. Merci, Lyriel. En plus, c'est pas un gros batailleur comme poisson. Pêche à la dynamite, j'avoue. Dans la mine. Merci Aurélie. Merci Chasna. Pour le papillon du céleri, ça ressemble à une chenille, c'est en automne. La nuit, avec pluie ou tempête, à la plage, sur... Oh, il faut me garder ces infos pour les... quand on reprendra les lives. Hein. Parce que là, d'ici là, c'est pas gagné. Hein.
Eh ben voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Il est quelle heure? Ah bah est-ce qu'on casserait pas du caillou en même temps? Allez. Ah bah merci les mesdames pour les infos. Hein. C'est infos précieuses. Est-ce qu'on va continuer à avoir de la chance? Ce serait cool. Allez, on descend. Hey, coucou Mira, comment vas-tu? En forme? Coucou petit ange, bienvenue à vous mesdames. Hop, hop. Oups, je l'ai one-shot. J'ai fait un critique sur lui, sur sa tête là. Il a pas compris. Mince. Donc, après la pêche, après le mode pêche activé, on a activé le mode casseur de cailloux, bien sûr. Alors, on en a une comme ça, et on a eu zéro. Pour l'instant, géode de la Terre. Génial. Zéro, quoi. Eh ben. Eh ben, ça va. Merci, Mira. Oh, les votes sont en train de s'inverser sur le choix des jeux. Dommage. Notre jeu de mystère. Ok, décidément. Ça c'est bon. On a eu 2 et 2. Et ben c'est pas beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à l'avoir, ce péridote là, cette pierre verte, la pierre de l'enfer qui veut pas pop. Hein.
Oui, un jour. Ah, c'est pas très encourageant tout ça, non? Ah, par contre, des nœuds de fossiles, enfin des fossiles, on en a, en veux-tu, en voilà. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Allez, on en a eu un peu deux coups sur coup. Ah, on en a eu 5 sur cet étage. C'est pas mal. Il est quelle heure en game? Bonjour Bruno, bienvenue à toi. Il est 17h. On peut faire cet étage potentiellement à fond. C'est vrai que c'est pas très passionnant à force de toujours faire ça. Hein. Tout ça pour avoir une pierre. Bah, espérer avoir une pierre. C'est quand même pas très dingo. Hein. Salut Personnel, comment vas-tu? Coucou Nomi, comment allez-vous? En forme? Comment ça va? Bon, eh bien on en a fini pour aujourd'hui, on a 10 géodes de terre. Ça va, je suis au boulot et je veux rentrer à ma maison. Bah rentre. Fais-toi plaisir. En tout cas, bon courage du coup, Personnel. Bon, on va aller poser au musée notre arowana, ou arowana là. Et on va aller le poser aussi, du coup. T'as encore 45 minutes à tenir. Oh, ça va, ça le fait, quoi. Ça va aller, quoi. Et on va aller aussi le poser, du coup, à la déesse. Ça casse du caillou, bah ouais. Pour essayer d'avoir une pierre précieuse, la dernière pierre précieuse pardon, qui me manque, Nomi, impossible de l'avoir. Elle veut pas tomber, quoi. Voilà, on va finir ça. Grand appât de pêche débloqué. Et du coup, on a débloqué le site de fouille. On aura un peu d'exploration à faire comme ça. Bon, c'est pas trop mal. Alors, le site de fouille, je ne sais pas où c'est, hein, mais... on essaiera de chercher sur la prochaine journée. Après avoir fait tout ce qu'on a à faire sur une journée type.
Là, en l'occurrence, on va revendre ça. Ça aussi. Ça. Oh, je connais pas le prix d'un petit œuf doré. Allez. On va le vendre du coup. Et on va aller se coucher. Bam. Bon, niveau poisson, on s'est bien débrouillé quand même. Rien, ça paraît logique. Jamais vu le site de fouille de la nouveauté. Je sais pas, je repose la question. Coral Island, toujours pas en coop. Non, toujours pas, Bruno. J'avais pas vu ta question. N'hésite pas, il faut me taguer hein, quand vous posez des questions comme ça. C'est plus simple. Ça ressort au niveau du texte. Oh, c'est pas mal. On a bien avancé là aussi. Non, il n'y a pas de nouvelles de la coop. Enfin, je crois que la coop, c'est pour la 1.3. Mais encore, il faudrait recheck. Faut que je check la feuille de route en fait. Coral Island. Roadmap. Ah oui, je suis en QWERTY, ça va être compliqué. Ah, mais je l'ai. Roadmap 2024. Est-ce qu'il y a. Non, c'est pas cette image. Là, il n'y a pas le détail de la 1.1, 1.2, 1.3 sur cette image. Ah, voilà. Le multijoueur, il est prévu pour la 1.2. Alors déjà qu'on n'a pas de date de sortie pour la 1.1, la 1.2, j'en parle même pas. Hein. Et donc dans la 1.1, on aura les quêtes de rang S pour la ville. Donc le fait de débloquer les rangs S pour les catégories et pour la ville. Un nouveau rang de catégorie qui se rappellera les attractions, le système des touristes, les personnages non joueurs qui seront, qui ont été, enfin, il y a des backers qui vont avoir le droit à leur NPC dans le jeu, donc liés aux touristes, j'imagine. L'histoire des Merfolk ainsi que les relations avec les Merfolk et leur romance. Le fait de pouvoir cultiver sous l'océan à première vue. Plus d'histoire, voilà, plus de contenu au niveau de l'histoire. L'accès à la savane. Au niveau des animaux, on va avoir les buffles et les autruches. Des nouveaux décors et des nouvelles fringues. Et une optimisation du système de dialogue et du système de chapeau. Voilà. Pour la 1.1. Multijoueur, donc 1.2. Et notamment, c'est la 1.3, ça va surtout concerner tout ce qui est lié aux enfants. Les relations, les dialogues, la croissance des enfants, le fait de gagner des cœurs avec eux, etc. etc. quoi. Voilà un peu toutes les news concernant le jeu. Connu à date. Et tout ça, bien sûr, sans date de sortie. Ça va aller pour le... Attendez... Je peux pas tout prendre là, j'ai trop de trucs. Pas avant 10 ans. La 2.0 j'avoue. Ok, les batteries. Ici. Du coup, je retourne là parce que j'ai pas pu tout prendre. Là, je peux tout prendre. Ok, là aussi.
me faut ça. On va aller à l'autre bâtiment. Donc là, on est sur une journée ensoleillée, donc rien de particulier. De toute façon, j'ai plus rien à attraper sur l'hiver, je crois. Toujours pas de vin de fée. Oh là là là, c'est une catastrophe. On va le revendre. Ah, et on en fait un peu de miel. Eh ben. Ok, on est bon. Donc les animaux, on passe. On n'occupe pas les animaux en hiver. Il reste dedans et tout est automatisé, donc... Donc ça, c'est fait aussi. Donc, objectif aujourd'hui, aller ouvrir nos coffres et nos géodes, en croisant les doigts pour les géodes. Et on essaiera de trouver ce site de fouille là, archéologique, je sais pas quoi là. Il y a des chances que ce soit dans la forêt, la dernière partie de la forêt qu'on avait débloquée. Je suppose. On verra bien. Donc il faut attendre 9h. Ça c'est pareil, je vais le balancer là. Ça va aller là. Au niveau de la ferme, j'ai plus grand chose à faire. Hein. J'ai pas été voir les animaux. Enfin, les étangs et puis. Voilà. Enfin, j'ai bien fait de venir voir. On a du requin blanc. Ça fera de l'argent en plus. Et on a des papillons. Alors, je sais toujours pas quel insecte je dois mettre là-dedans. Hein. Pourquoi tu as parlé du jeu Echo au début du live, Soma? C'est parce que quelqu'un a posé la question. Qu'il était tombé dessus. Il était tombé sur le jeu qui est encore en early access apparemment. Et la personne a demandé quelques infos. Donc il y a Chris qui avait répondu et j'ai complété ses dires. Voilà. Coucou Tidoy, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Où trouve-t-on le requin blanc? Le morpho, il coûte cher. Ah mais encore faut-il que je l'attrape. Je ne l'ai pas, le bestiau. Et le requin blanc, bah, quelqu'un dans le chat va te répondre parce que moi je m'en rappelle plus. Et voilà. Alors le requin blanc, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça doit être en été ou en automne. Après, les conditions et tout ça, et l'emplacement, aucune idée. Hein. À côté du bateau. Bah déjà, on t'a donné l'emplacement. C'était Linou pour Echo, voilà. Ce que je disais, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué. Qui a l'air super chouette, hein, mais... auquel j'ai jamais joué. D'ailleurs, jeu que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Hein. Salut Bjorg, comment vas-tu? En forme? Ok, donc ça c'est fait. Alors, on va commencer par les mystères. Il faut qu'on voie pop une pierre verte, un peu ovale et dans le sens de l'horizontale, au niveau de son ovalitude. Sinon, c'est mort. C'est parti. Ça va être encore un cuisant échec. Je vais même pas pouvoir toutes les ouvrir, je suis full.
niveau de l'inventaire. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, il en reste que deux. On a eu que du caca. Ça me fatigue. Je vous le dis direct. J'en peux plus de cette pierre précieuse. Là, je trouve que c'est abusé, en fait, que ce soit si compliqué à avoir. Ou alors, j'ai juste vraiment pas de bol sur celle-là, mais... C'est un peu foufou, quand même. Et je pourrais pas tout revendre, non plus. Ok. Ben, c'est fort dommage. On a rempli le coffre de vente. Coffre de vente, c'est quand même... Il devrait être plus grand. Je crois que c'était Nomi qui l'avait dit une fois. Clairement, il faudrait qu'il soit plus grand, ce coffre de vente. Hein. Il m'en reste 3. Parce que là... Ah, plus de place. Recablé en été du 1 au 14. Ah, voilà, c'est en été. Ok. Le matin et après-midi avec du soleil ou du vent. Bah voilà, Lydie, t'as toutes les infos. Merci, Caro. As-tu essayé le jeu Taverne Manager? Parce que je vois plusieurs qui présentent ce jeu en démo. Et moi, je le trouve pas, la démo. La démo est peut-être plus disponible. C'est des gens qui ont tourné des vidéos il y a un moment. Et non, je l'ai pas essayé, non. Taverne Manager, tu dis. Bon, allez voir. Hein. Taverne. Taverne Manager Simulator. Effectivement, il n'y a pas de démo. Il n'y en a plus en tout cas. Il y a dû en avoir une à l'occasion d'un Steam Fest, mais la plupart des démos, après, quand le Steam Fest est fini, les développeurs les enlèvent. Hein, donc, elles ne restent pas éternellement, malheureusement. Eh ben c'est perdu. C'est des youtubeurs comme toi. Oui, oui. Après, moi, je crois que j'avais eu la possibilité de le faire, mais je l'ai pas fait, parce que c'est pas forcément le genre de jeu qui m'intéresse. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les loups? Parce que là, il est tôt le matin, et à part aller à la mine de terre pour casser du caillou encore et encore et encore pour espérer avoir des géodes de terre et espérer enfin avoir cette... maudite pierre. Je sais pas quoi faire d'autre. Hein. Donc il nous faut ça. Mais il nous manque aussi celle-ci. Hein. Celle-là, on sait même pas ce que c'est en fait. Celle-là, il me la faut une deuxième fois. Donc pour le musée. Et là, c'est mystère et boule de gomme. Hein. Les fossiles, on a tous les récupérables. Il faut que j'aille voir la noix de coco, tiens. Et les artefacts, on a tout. Bon, on va aller voir le site de fouille aussi. Par contre, les noix de coco, je vais aller voir. Oui, mais des géodes, je farme des étages entiers à longueur de journée. Donc, que j'en ai 10 tous les jours ou que j'en ai 50 en une semaine, ça change pas grand-chose. C'est juste que ça ne marche pas, en fait. Enfin, je récupère pas ce qui me manque. Et donc, c'est compliqué. Alors j'espère que l'info qu'on m'avait donnée sur les noix de coco, c'est bien en hiver, hein, parce qu'il y a des saisons où j'ai pas regardé, et que vous m'avez pas raconté du caca. Hein. Sinon ça va mal se passer. Parce que là, les cocotiers ont l'air désespérément vides. Bon, il faut le temps que ça pousse quand même un peu, mais c'est vrai que des noix de coco en hiver, quand on m'avait donné l'info, ça paraissait un peu étrange. Du coup, pour le site de fouille, alors ma première intuition serait... Non, c'est pas ici hein, le chemin. Alors ça fait très site de fouille, hein, mais on l'avait déjà débloqué, ça. Il y a eu respawn d'ailleurs du bois dur, qu'on va récupérer.
Alors, site de fouille, site de fouille. Où es-tu? Où te caches-tu? J'avoue, j'en ai pas la moindre idée. Comme c'est pas des trucs qui sont sur la map. On va chercher, hein. Raflesia. Ok, bah là je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est ailleurs. C'est assez bizarre d'ailleurs. Ce soit ailleurs. Alors là, il n'y a rien. C'est surtout que j'ai pas souvenir d'avoir l'impression d'un endroit qui était encore bloqué dans le jeu, mais. Mais bon. Ouais, le bois dur, j'en ai pas spécialement besoin. Et je sais qu'il donne du bois dur. Merci Flo pour l'info. Alors. Alors peut-être là-haut, parce que c'est vrai que là-haut, on avait débloqué ça, mais ça menait à strictement rien. Il n'y avait aucun intérêt d'avoir débloqué cette partie de... Bon, bah ça n'a pas changé. Il n'y a toujours aucun intérêt d'avoir cassé la roche qui bloquait le passage avec ces escaliers qui montent et qui amènent à strictement rien. C'est bizarre. Piège qui sert plus à rien. Alors on va récupérer ça, le sino machin, je sais pas quoi là. Sino rodon. On est d'accord, on peut pas y aller. Là, c'est l'accès aux events, hein. Voilà pour les festivals. Bah. Mince. Ah, le zoom, il est violent. Le dézoom aussi, hein, mais. Dommage d'ailleurs que la carte se met pas à jour quoi. C'est ça aussi, je trouve ça un peu chelou quoi, de la part des devs. Alors c'est peut-être chez les géants. On va aller voir. Un TP dans le coin, un TP, un TP. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. J'avais ma souris sur l'autre écran. Inventaire plein, pardon. Ça, c'est joli, ça. C'est joli, les décos de Noël, tiens. Inventaire plein, je vais aller...
aller me vider les poches. Alors, c'est pas précisé, mais ça pourrait, oui, tout à fait. C'est vrai que là, je peux rien revendre. J'ai plus de place. C'est un peu la merde. Les pousses de bambou, je sais plus en quoi on les transforme. Ah, on va trouver, il n'y a pas de raison. Justement, il a peut-être une bonne idée, Flo. Alors le problème, c'est pareil, hein, c'est que sur la map, va savoir. Parce que tout ce qui était accessible, on y a eu accès et on l'a fait. Hein. Par contre, j'ai un doute. On y a accédé à... Ah oui, on y a accédé parce que là, c'est... Oui. C'est la grotte... Enfin, c'est le donjon... Ouais, la mine. Enfin, la grotte, on va dire plutôt. De la profondeur 50 mètres. Et on peut aller à gauche et à droite. C'est tout... C'est assez sombre, d'ailleurs. Donc oui, on y a eu accès. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Alors, je vais juste... Il est 17h30, mais on a l'impression qu'il fait déjà nuit. Ça, on va mettre ça là. Les fleurs. Enfin, j'ai une fleur. On va la mettre là. Après, le reste, je crois que je vais balancer... directement dans le coffre de vente. Où est-ce qu'on pourrait aller check ah oui, j'avais dit chez les géants. Donc quand on arrive pour la première fois chez les géants, on arrive de par là. Là, c'est le petit village. Il n'y a pas d'autre accès non plus. Bon. Eh ben. Et là, on revient à la ferme. Et vous savez quoi? On va les spiéter. Et puis, on va continuer à chercher sur la prochaine journée. Il fera jour, on ira sous l'eau, on sait jamais. Ou alors, peut-être qu'on débloque une zone qui n'est pas encore disponible. Ce serait pas étonnant de la part des développeurs. Il n'y a pas de cinématique qui t'a débloqué quelque chose. Non, effectivement, non. Alors, à moins qu'il faille attendre la journée suivante. Bah, non plus. Donc, j'avoue que là... Mystère et boule de gomme. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ce n'est plus à faire. Alors, c'est des cultures longues hein, qu'on a plantées. Elles sont longues à pousser. À prendre du temps. Ici, hop, on a fait que ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? On va faire les bâtiments, on va faire la serre. Bon, avec tous les bocaux maisons qu'on a mis, on commence à en venir à bout hein, de tous nos fruits, là, de tout ce qu'on devait transformer. Là. Ça aura été compliqué, mais... Mais on l'aura fait. Salut Frédéric, comment vas-tu? Et du coup, bonne pause. Pause goûter pour moi. Bah pour moi aussi, en fait. On vient de m'apporter le café avec des spéculoos.
Donc j'avoue que soit je coupe mon micro et j'ai fait un petit blanc de quelques temps, soit vous allez m'entendre grignoter. J'hésite encore à vous soumettre ça. Alors ça. Et ici, il n'y a rien. Bah du coup, bon goûter à toi, Frédéric. Hop, allez, les batteries aussi, on les vend, rien à faire. Ensuite, la serre. Bon, clairement, là, on tourne en rond. Hein. On tourne clairement en rond. Ah, on a du raisin. Capop. Parfait. Alors c'est pareil, je vais faire l'impasse sur cette récolte de raisins. Je vais tout revendre comme ça là. Parce que sinon on s'en sortira pas avec les fûts normaux et les fûts de vieillissement. Et du coup, je vais mettre les cannes à sucre ici. Ah, il y en a encore beaucoup quand même. Moi, je vais les mettre au fromage alors. Salut Grégory, comment va? Si, je suis marié. J'ai un enfant et le deuxième en cours. Tout à fait, Flo. Pinard! Ah, Sébastien, il est content. Donc je dois pas aller au labo ni au forgeron. Et moi, c'est chocolat chaud avec deux brioches, avec tablette de chocolat, deux clémentines, gaufres et pitch au goûter. Hein? La vache, c'est plus un goûter, quoi. Ah bah, tu te fais plaisir. Alors, je vais mettre le jeu en pause. Je vais ouvrir mon petit sachet de spéculos. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous avez... Alors, on peut aller voir sous l'eau. Alors, l'eau, c'est tellement compliqué de s'orienter dedans. Enfin, c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est très vaste. Est-ce que vous avez des idées en dehors de l'eau? Cody, on est à fond. Ok. Ok, ok, ok. Alors, il nous manque aussi un personnage. Je sais pas si c'est normal. Toujours un plaisir de regarder tes lives avec un bon café. Ah bah oui, 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 carrément. Oui, besoin d'énergie au taf. Moi, si je mangeais ça tous les jours, soit au goûter ou le petit déj du matin que je fais au boulot, vu que je mange pas en me levant, je prendrais vite 10 kilos de plus, quoi. Le bébé fait sa vie. Le bébé n'a pas de vie, en fait. Il ne fait que dormir. Les enfants, pour l'instant, sur le jeu, n'ont aucun intérêt. Hein. Clairement. Ouais, au niveau des personnages, il nous manque vraiment que celui-là. Et après, par contre, je sais plus où on voit ça. Ah, voilà. Dans les suppléments, il en manque beaucoup. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est parce que tout n'est pas encore sorti en termes de contenu sur le jeu, blablabla, blablabla. Mais mine de rien, bon, il nous manque cette espèce de légume bizarre. Un légume sur pâte. Y a ça, qui pourrait être un poisson. Y a ceci.
Il y a ces deux. Et puis il y a là carrément un humain qu'on n'a jamais croisé. Merci Laetitia. Bon goûter à tous, hein. Bah ouais, profitez, hein. Donc c'est vrai que des trucs qui en manquent, hein. Au niveau des ennemis, bon, on a tout vu. Les notes, allez savoir, j'en ai pas la moindre idée. Alors s'il y a toutes les cases à remplir, effectivement, il en manque un paquet. Ici, les succès. Bon, bah pour l'instant, on n'est pas trop mal, franchement. Bon, on a fait un chouïa plus que la moitié. Donc ici, on a déjà fait le tour, hein. Il manque une gemme, il manque... On m'avait dit noix de coco en hiver, on verra bien. Il nous manque deux insectes et deux poissons. Une espèce de raie, là, on dirait. Et puis, bah là, un autre type de poisson. Créature de la mer, on a tout. Dans les produits, alors là, il nous manque trois choses qu'on n'a jamais eues. Ça, on dirait du maïs. Donc, à première vue, je n'ai jamais planté de maïs. Là, ça pourrait être une fleur, mais pas sûr. Ou un dérivé d'un chou, quelque chose comme ça. Et là, c'est clairement un fruit. C'est pareil, à première vue, il nous manque un fruit. Peut-être un arbre fruitier que j'ai zappé de planter. Donc là, on n'a pas tout. Produits animaux, c'est bon. Et produits artisanaux, on n'a pas tout non plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? J'avoue, je ne sais pas. Ça a l'air d'être des morceaux de fromage, hein. Les fromages, on peut tous les vieillir, Laetitia? Et donc là, on a toutes nos stats. On est quand même à 96 heures de jeu sur cette game. On a nettoyé 36 014 déchets. On a effectué 3 tâches. Alors ça, si j'imagine, c'est les petites quêtes au tableau que je ne regarde jamais quasiment. On a offert 52 cadeaux. Tous, je pense à Alice. On a fait 681 km, on a gagné 3 747 560 de tutune pour une dépense de 2 110 000. On a envoyé 15 629 objets à vendre, on en a acheté 4 181 et on en a fabriqué 602, c'est pas mal. En fait, il faudrait que j'essaye de vieillir une meule de fromage de vache, mais après. C'était ça? Ça, c'est quoi ça? Fromage, fromage de chèvre, meule de fromage de chèvre. Il faudrait que j'essaye de transformer ça, du coup, dans ça, qui donnerait potentiellement celui-là, et ces deux que je transforme pas en meule, et que je vieillis directement pour avoir ces deux. Ça se tente, hein? Ça se tente, ça se tente. On va aller voir nos vaches. On va tout récupérer du coup. On a cherché tout seul comme un grand et Nomi vient tout nous spoiler. Les œufs salés. Du coup, j'ai mes. J'ai quoi là déjà? Je ne sais plus. Où est-ce que j'ai... Oui, c'est ici. Non, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave, on va récupérer ça quand même. Coucou, Mrs. Beers, comment vas-tu? Elles étaient là, les biquettes. Hein. Alors forcément, pendant l'hiver, on n'a pas de truffes et on n'a pas de graines de café, là, des civettes. Après, on pourrait les faire sortir, hein, mais on va les garder au chaud. Alors, c'est ici, je crois. Je ne sais plus. Oui.
Donc là, en fait, on veut... On va transformer tout ça. Ah oui, mais il me faut des petits laits, en fait, pour faire des petits fromages, non? Ça, j'arriverai jamais à en avoir, en fait. C'est l'hiver, ils ont froid. Ils sont pas contents quand tu les sors en hiver, en fait. Quand tu les laisses sortir et qu'il y a une petite émoticône triste qui s'affiche quand tu les fais sortir en hiver et par temps de pluie. En tout cas, il me semble. Le café geisha, petit et grand, le café normal, la bière d'orge, le saké aussi, tu peux vieillir. Ouais, mais tout ça, ça apparaît pas si dans les listes là. Après, ils ont peut-être pas tout mis non plus. Hein. Là, les pages déchirées, on en a pas. Là, il n'y a pas de sous-catégorie. Ouais, ok. Moi, j'ai fait sortir, j'ai aucun souci. Bah non, moi, l'hiver, ils sont punis. Ils restent au chaud. J'avais fait ça sur le premier hiver. Et ce sera pareil sur le second. Ils n'ont pas le choix. Et s'ils sont pas contents, bah ils sont pas contents. Ils auront leurs yeux pour pleurer. C'est déjà pas mal. Alors, tac, 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 tac. Oh, on a déjà quasiment rempli le coffre. Donc, Monsieur Nomi nous a dit, je ne sais plus ce qu'il nous a dit, mais il l'a dit. Site de fouille, c'est au nord, à gauche de la caverne. Alors, la caverne, j'imagine que c'est ça que tu parles, de la caverne. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, d'accord, on peut les casser, ces tonneaux. Alors, à gauche de la caverne. Oh, d'ailleurs... Hop, on va prendre ça aussi. Moi, à gauche de la caverne, je vois pas. Hein. Pas content, pas content, pas content. Bah, je ne suis pas contente. Pourquoi, du coup, Mrs. Mears? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux faire la révolution? C'est ça? Pas contente parce que tu n'es pas... t'as pas le droit de sortir dehors? Bon, ça, on connaît. Hein. Y a rien de nouveau ici. Bah si c'est ça que tu me parles, Nomi, on connaissait déjà ça. Hein. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à les péter. Tu vois. Ah non, ça sert à rien en fait. Les nœuds de fossiles, je m'en fiche. Parce que petite civette est pas sortie. je vais t'acheter une laisse et je vais te sortir à la main, Mrs. Beers. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte, le Nomi, là? À la grotte à gauche, quoi. Alors, à moins qu'il parle d'une autre grotte, il y a une autre grotte dans le jeu? Vous voyez, on est dans le brouillard. Je crois pas. Hein. Le top du vieillissement, c'est le miel cactus, le café de geisha, le vin de melon. Je cherche le site de fouille que j'ai débloqué via la DS. Et que je ne trouve pas. Qu'est-ce que tu vends, toi, de nouveau, d'ailleurs? Bon, encore un nouveau truc, toi? Chapeau de lotus. Waouh. Beaucoup de... Bon, je lag beaucoup sur le live on Human pompe à fond. Eh ben, t'as qu'à couper ton jeu et regarder le live un peu, parce que Wikinomi, là, il est un peu aux abonnés absents. Hein. Surtout qu'il donne des infos un peu bidons, là. Moi, je veux pas dire, hein, mais... Mais bon, voilà quoi. Je voulais vérifier un truc. Débloque le site de fouille. On n'a pas plus de précision.
Moi, je commence à douter que ce soit implanté dans le jeu, quand même. Je peux pas invoquer la déesse nananière. Parce que je vois pas où aller chercher. Ici, on a vu que c'était toujours bidon, le chemin. Ou Kinomi n'est pas à jour. Ouais, je sais pas, ouais. Après, dans les futures mises à jour, la seule chose dont il parle, c'est la savane qui sera débloquée. Qu'est-ce qu'on débloque d'autre d'ailleurs là avec. Enfin, le dernier truc qu'on doit débloquer, c'est. Ah bah, c'est la savane. Vous voyez qu'en fait, la savane, techniquement, on peut déjà la débloquer, mais en fait, elle n'est pas implantée. Donc, si ça tombe, le site de fouille, c'est la même chose. Ah, tout simplement. On est en train de chercher peut-être un truc qui n'existe pas. Hein. Mais il y a la caverne, tu parles de la mine, Nomi. Il n'y a pas de site de fouille à gauche de la caverne, sauf quand tu débloques la forêt où il y a un mini-site de fouille. Qui est déjà existant avant qu'on débloque le truc du site de fouille, quoi. Est-ce que j'ai été très clair dans ce que je viens de dire? Si tu étais un peu plus attentif au live, je viens de le montrer il y a 5 minutes. Le site de fouille, c'est à la savane. Non, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai débloqué, c'est ça. Non, même pas. Je sais pas, en fait. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas comment on a débloqué la deuxième partie de la forêt. Si c'est ça que vous appelez le site de fouille, je vais remontrer. Hein. Oui, bah là. Est-ce que c'est ça, Nomi, dont tu parles? Parce que ça, c'est déjà débloqué depuis un moment. Si c'est de ça que tu parles, là. Ça, là, on l'a déjà débloqué depuis longtemps. Hein. Non, il n'y a pas encore de site de fouille. J'ai regardé sur un site. Merci, Aurélie. Voilà quelqu'un d'efficace. Donc, en fait, on cherche du vent. C'est bien ce que je dis. On débloque des choses qui n'existent pas dans le jeu. Ça, c'est incroyable, quand même. J'ai rarement vu ça, quand même, dans des jeux vidéo. Ils sont assez spéciaux, les devs de Coral Island, quand même, dans le développement de leur jeu. De mettre des choses avec lesquelles on peut rien faire. Comme les enfants, c'est pareil, en fait. Les enfants servent strictement à rien. C'est cool, on peut avoir des enfants avec notre femme, mais ils servent à rien. Ils font juste déco, en fait. C'est un peu triste. C'est pas le site de fouille, ça, Nomi, du coup. Nomi va être puni en place publique? Ouais, clairement. Hein. Ah ouais, il a dû laisser aller, là. Il n'y a plus rien qui va, tout fout le camp, moi, je vous le dis. Bon. Eh bien, je vous avoue que, du coup, pour ce live... Alors, à part aller farmer la mine... Encore pendant 1h20 pour espérer avoir ces pierres précieuses qui ne veulent pas tomber de toute façon. Je vous avoue, je sais pas quoi trop faire quoi d'autre. Hein. Sur cette saison d'hiver, alors à part enchaîner les dodos pour vite passer l'hiver et passer à autre chose, même si grâce à vos infos, on sait qu'il nous manque un truc en été, un truc en automne au niveau des animaux manquants. Lapidation en place publique, ils sont trop forts les devs. Ouais, j'ai l'impression qu'ils développent leur jeu à l'envers parfois sur certaines parties, hein. Attention, hein. Le jeu reste incroyable, hein. Coral Island, c'est pas le souci, mais bon, ça commence à faire long en fait, les contenus qui sont censés être là depuis quand même un petit moment, quoi. Surtout quand surtout quand on sort un jeu en version complète, donc ce qu'on appelle la 1.0. C'est quand même dingue de voir tout le contenu qui manque encore dedans, quoi. On a l'impression d'être encore dans une early access, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, du coup, c'est cool, hein, y a plein de contenu encore à venir pendant peut-être encore plus d'un an. Mais bon, au bout d'un moment, on aimerait bien tout avoir et passer à autre chose, quoi. Pour moi, c'est ça, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Ok, Nomi, bah, du coup, c'est pas ça. Alors, je dis pas que ça fait site de fouille, hein, ces quelques cases-là. Mais bon. Voilà.
Après, si ça tombe, c'est ça. Et puis, ils se sont plantés dans leur codage et on le débloque avant de débloquer. Enfin, bref. On va pas tergiverser. Eh bien, je vais aller dormir. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'aller te casser du caillou encore une fois. On va faire une autre journée. Parce que là, à part rester à la ferme pour récolter des trucs, replanter des machins, voilà, on a eu notre dernier cœur. Et faire de la caillasse qui nous sert plus à rien. J'ai plus rien à faire hein, sur le jeu. On vient de passer les 3 millions d'argent liquide, sonnant et trébuchant. Bon, il nous faut quand même un coton osmium. C'est vrai. Qu'on ne peut avoir qu'en hiver. Dans les choses importantes à avoir. Donc c'est planté, hein. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors du coup, on va aller récolter les ressources qui sont ici. Plus que 3 minutes et je rentre enfin. Elle regarde sa montre non-stop. Personnage. Les 45 minutes les plus longues de sa vie, j'ai l'impression. Oh, Mira, elle n'a plus grand-chose à manger. Les poissons manquent, ils sont pas en hiver. Bah apparemment non. Non, non. Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. On a beaucoup regardé les insectes, mais les poissons, j'en ai aucune idée. Je vous remontre ce qui me manque en poisson. J'en ai un là, juste avant l'arowana argentée ici, là. Alors ça, c'est des poissons d'hiver en plus, ces deux. Hein. Et après, j'ai l'impression qu'il me manque une espèce de raie, qui est bien la seule d'ailleurs. Heureusement que tu es en live. Merci personnage, du coup, ça te passe un peu le temps. La même chose pour moi, mais jusqu'à 19h. Ouf. Ah oui, t'en as encore pour un moment. Tu n'imagines pas, j'ai rien à faire au boulot, donc oui, c'est super long d'attendre. Eh ben, c'est tout l'inverse de moi. Moi, souvent, j'ai trop de choses à faire et on s'en sort pas, quoi. Et de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir glander. Alors, ça peut arriver, hein. Ben, c'est très rare, hein. Demain, ça va être encore une journée de folie. Là, il n'y a rien. L'arrêt, c'est printemps et été. Ça me désespère. Bah pour que j'ai trop de choses à faire, faut que je m'absente un mois. Ah bah dis donc, c'est quoi ton boulot personnel? Parce que tu nous l'avais dit, je crois déjà une fois, mais... c'est chaud quand même. Oh non, tu me l'avais MP peut-être, je ne sais plus. J'entends plus rien, je suis sous un torrent de crachat. Pauvre Nomi. Alors ici. Ok, on commence aussi à s'en sortir ici. Ça, c'est plutôt cool. Ici, assistante administrative et comptabilité dans une association. Ah ouais. Meule de fromage. Très bien. En fait, j'ai mis mon fromage là tout à l'heure, non? Je me suis planté. Enfin, mon lait, je veux dire. Je suis complètement planté. Personne me l'a dit, quoi. Mais du coup, les petits morceaux de fromage, j'arrivais pas à les avoir, en fait. Ça, je vais pouvoir le faire vieillir, ok, pas de souci, mais... Je pense que c'est le arowana asiatique en automne. Ah ouais, donc j'ai tout loupé en fait. Été, automne, c'est les deux saisons où il me reste les trucs à avoir quoi.
Eh ben. Du 22 au 28, celui-là? C'est un légendaire. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, je crois qu'on n'a plus de raisin enfin là-dedans. Bon, il doit y encore avoir tout ça en raisin qui doit se faire, mais. Mais on y arrive enfin. Pour le fromage qui te manque, il faut que tu rachètes une vache. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais une vache et une chèvre aussi. Alors, j'ai une étable, hein, donc je peux le faire. Hein. Hop, fini, je rentre des bisous, à tout à l'heure peut-être. Ça marche, personnage. Bon retour. On va aller acheter une vache et une chèvre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même? Il est 9h donc on peut, en espérant que ce soit ouvert le samedi, je ne sais plus. Charpentier. Fermé aujourd'hui. Eh ben voilà. Hein? À chaque fois qu'on veut faire un truc dans un magasin, on ne peut pas. Alors, à moins que je puisse l'acheter. Non, on ne peut pas l'acheter dans la boutique. Hein. Je crois pas. Hein. Ce serait bizarre. Oui, non. Non, on peut pas. Bouh, je dois retourner bosser, le temps passe trop vite, je vais vous laisser. Bonne fin de live. Bon courage pour la fin du taf jusqu'à 19h, Frédéric. Et certainement un jeudi, du coup. À ta prochaine pause taf pendant le live de Planet Crafter, du coup. Vu que il n'y aura pas de Eyuden Chronicles sur la chaîne. Ça a l'air mal barré, hein, vu le sondage où il en est. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Allez, demain, il n'y a pas de live. Je suis désolé, Frédéric, mais du coup, il n'y a pas de live demain. Tu n'as pas de chance. Du coup. Ah, la serre. Je crois pas qu'on ait fait la serre. On va aller voir les étangs aussi. Ben ouais. D'habitude, il y a, mais là, demain, il n'y a pas. Exceptionnellement. Alors, la serre qui foule. Là, on est bon. On va balancer tout ça à transformer. On va essayer de faire moite-moite un peu. Voilà, il en reste encore beaucoup. Hein. Ah, j'espère que j'ai tout ramassé dans la serre parce que j'ai l'inventaire qui est plein. Je me suis trompé avec ça. 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 Non, on va laisser comme ça. Et du coup. Et je vais aller remettre la canne à sucre. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas non plus avec la canne à sucre. Je vais la revendre direct. Je dis je serai à l'enterrement d'un grand. Ah oui, tu nous en avais parlé, oui. D'accord, ça marche. Ah, c'est pas grave. Il y aura vendredi encore tout ça, quoi. Plein de bonnes ondes, ouais, il faudra y penser jeudi, ouais. On aura une pensée pour toi. Mince, j'ai oublié de poser ça.
Presse à huile. Presse à huile, c'est premier bâtiment. Hein. Voilà. Bon, j'ai un fossile à ouvrir, je m'en fous complètement, donc je vais le vendre aussi. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et puis on a dit qu'on allait voir. Alors je vais juste recheck si j'ai pas laissé traîner des trucs par terre. Mais apparemment non. Mais je vais aller voir les étangs. Alors on pourrait compléter aussi, hein, c'est un des objectifs que je m'étais un peu fixé, c'est de compléter, c'est peut-être mettre 4 autres trucs à insectes ici, en prévision de trouver vraiment le bon insecte, donc pourquoi pas le papillon morpho là. Et peut-être encore 2 étangs, je sais pas si ça va rentrer. Faut que j'aille voir le charpentier, je sais plus les ressources qu'il faut par contre. Ça c'est un peu pénible aussi de... De devoir aller voir le marchand pour savoir ce qu'il faut. Allez, du coup, on va faire un aller-retour. Hein. Bon, et votre histoire de noix de coco en hiver, là, vous êtes sûr de vous, là? Je crois que je me suis bien fait avoir et que ça devait être en automne. Ah, quoique. Il y a peut-être l'air d'avoir un truc qui pousse, là, sur celui-là. Peut-être, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Oh là! Une sénette, il y avait longtemps. Hey, maman! Archie, content de te voir, mon chéri. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on a des journaux en rab, quelque part? C'est quoi cet intérêt soudain pour les actualités? Bien sûr! Je crois que la sueur pourrait marcher aussi. Je peux en avoir? Qu'est-ce qui se passe, Archie? Rien, c'est juste que... Tu sais quoi? Laisse tomber. Tu peux me parler, Archie? Il se passe quoi? S'il se passe quoi que ce soit, pardon. Depuis quand tu ne m'as pas parlé? C'est rien, maman. J'aime bien sa tenue d'hiver. C'est à propos d'une fille? Hein? Mais non. Maman, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Tu es si secret ces derniers temps. Tout ce temps tout seul à courir dans tous les sens pour faire je ne sais quoi. Je me suis juste dit... Ok, ok, on reparlera de ça dans quelques années. Mais il se passe quelque chose, Archie. Je ne sais pas. Tu peux me parler. Ok, une minute. Ah, c'est ça qui m'a donné les ressources pour... C'est quoi ça? C'est un oiseau? Un troglodyte à poitrine blanche. Je l'ai trouvé dans les bois il y a quelques jours, maman. Je crois que son aile est cassée. Alors c'est ça que tu... Je ne pouvais pas le laisser là-bas, maman. Impossible. Il serait mort sinon. Et je sais que toi et papa n'aimaient pas les animaux, alors je ne voulais pas. Et qui a dit qu'on n'aimait pas les animaux? Papa le dit genre tout le temps. J'imagine. Nous ne sommes pas des fans d'animaux, c'est vrai mon fils, mais un oiseau blessé c'est différent. Tu veux essayer de le guérir, je t'aiderai. Vraiment? Bien sûr mon chou, c'est merveilleux ce que tu fais. Tu n'as pas à nous cacher ça. Salut Ija, comment vas-tu? Oh, d'accord, ce serait super. Merci, maman. Tu entends ça? Monsieur Beck, maman va nous aider. Monsieur Beck, bien sûr. Commençons maintenant. Je crois que j'ai quelques boîtes à chaussures vides dans la maison. Ça fera un nid parfait pour Monsieur Beck, tu ne crois pas? Oui, oui. Alors... Bon bah du coup, demi-tour, vu que j'ai les infos sous les yeux. On va commencer avec des maisons insectes, parce qu'on en a que 2. Et du coup, j'ai envie d'une de maisons à insectes supplémentaires.
maison à insectes, c'est compost, sève, bois dur, barre en or. Allez, c'est parti. Alors, barre en or, j'en ai pas 50. J'ai intérêt à en revendre et à aller peut-être farmer de l'or d'ailleurs. Ouais. Du coup, compost. Sève et bois dur. Allez. On va garder ça sur nous, comme ça. 5 x 5, 25. 7 x 5, 35. Attendez, je vais juste balancer... Alors, je sais plus où j'ai mes forges. Pas ici. Salut le Guy. Quoi, il y a le Guy qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il raconte, Nomi, encore une fois? Hein? Il a craqué, en fait. Ou alors j'ai un problème de chat, encore une fois? Ah, ça m'énerve, ça. Il en faut une barbe pour chaque. Hein? Bob l'éponge n'a pas froid aux jambes. Mais vous avez craqué ou quoi? Ah, le Nomi, il a bu. Hein. Pff, non, mais... Il est incroyable, hein. Alors, moi, je vois qu'il salue le Guy. Du coup, je dis, mince, j'ai loupé le Guy. Je lui dis bonjour, tu sais. Non, pas du tout, en fait. C'est un délire. Ah, une barre, pas une barbe. Ok, les correcteurs, hein, les correcteurs. Hein. Enfin, les deux sont fermés. Ça me saoule. C'est toi, Bob l'éponge. Comment ça, c'est moi, Bob l'éponge? Vous êtes fatigant, en fait. Hein. Ça me gave. Allez, on va aller dormir, tiens. On va passer la journée. Journée saoulante. De toute façon, il faut que j'enchaîne un peu les journées si je veux ma tenue. Quoi, ma tenue? Je ressemble à Bob l'éponge. Vous avez craqué, en fait. Hein. Vous avez complètement craqué. Hein. Vous avez tous pris du crack ou quoi? Comment ça se passe en fait? C'est un piège, haha, vous avez tous plongé. Ouais, bien sûr, on y croit tous, mon cher Nomi. On y croit à fond. Non, ça va pour moi, mais Nomi, j'ai un doute. Ouais, je sais pas, ouais. Ah. Non. Non. Ok, j'ai cru un truc, mais non. Non, non, le jeu m'a fait non. Ah, je suis fou, là. Je suis fou, là.
Il y avait quoi dans le goûter des loulous? Alors ça, c'est une bonne question. Je me suis trompé de bâtiment. Noumi a des excuses, il joue trop avec nous, du coup il dort pas. Vous n'avez pas pitié de lui, hein. Franchement vous êtes pas sympa. Hein. Ok, cette fois on est bon. Salut petit ange. Je t'avais pas vu. Aussi, je t'ai vu arriver. Non, je sais plus. Oui, je t'ai vu arriver tout à l'heure, oui. Moi aussi, je suis fatigué. Du coup, ça c'est bon. Les animaux, on va laisser courir. Ah, je suis très fatigué en ce moment, je vous cache pas que... Alors les lives c'est très motivant, ça c'est trop cool. Mais après je vous cache pas que je passerai bien mes après-midi à comater dans mon lit ou dans mon canap devant une série à moitié endormie devant d'ailleurs, à mon avis. C'est ce qui me pend au nez. Ça je vais le revendre aussi direct, encore aujourd'hui. Du coup, il est 8h10, on va attendre encore un chouïa. Est-ce qu'ils sont ouverts aujourd'hui, là, les... Le dimanche, là, les... 9h, 14h, 8h, 17h. Ok. Soma est fatigué. Ah oui, non, mais clairement... Hein. Clairement. En plus, j'ai plein de jeux à tester où j'ai des accès et tout, j'ai même pas le temps d'y jouer. J'ai encore eu un accès à un jeu de survie là, qui a l'air vraiment très cool. Bon, j'ai pas le droit de faire de vidéo tout ça dessus, mais. Je l'ai lancé hier, j'ai dû jouer 5 minutes. Puis j'ai dû couper parce que. Parce qu'il fallait. Je sais plus quoi, je pense qu'il fallait aller manger. Charpentier. Truc pour insectes. Bim, ça c'est fait. On est d'accord aussi d'ailleurs que ici il n'y a strictement plus rien à faire. Hein. On a mis tous les styles qu'on aimait dans les bâtiments. Mince. C'est pas ça. Je me suis trompé, c'est ça. Oui, ça, il n'y a pas de... Bon, on est bon partout, hein. Ouais, on est bon partout. Ok. On va aller acheter notre vache et notre chèvre. Alors, je leur donne pas de nom de tout ça. C'est juste pour avoir le truc qu'il nous faut. Hein, et après, je les revendrai. Je vais pas les garder. Donc, voilà, dit une vache. Je suis obligé de mettre là. Vache, ce sera très bien. Et une biquette. Voilà. On va aller les câliner. Faut qu'elles nous fassent vite du lait et du lait. Et du lait. Mais des petites bouteilles de lait, du coup.
falloir que je mette à manger aussi dedans. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va laisser courir. Là, c'est bon aussi. On a fait la serre. Et bien, je pense qu'on va... Hop! Je vous ai dit, on va enchaîner les journées. J'ai rien d'autre à y faire, là. Donc ça, c'est... Parce que cette saison de l'hiver ne me sert strictement plus à rien. Ce qui est un peu triste, hein, d'ailleurs, mais bon. Bon, là, ça pousse. Ça prend forme. Tout doucement, mais sûrement. On a du bocal, hein. Il n'y a plus de place. Là. Du coup, j'avais tout pris là. Oui. Là, non. Très bien. On a du saké. J'ai fait ça avec quoi? La bière d'orge. Ah, mais c'est les céréales, ça y est, elles sont passées. Ah, bah il était temps. Ah, ça, c'est nos premiers items de ce genre là. Par contre, j'ai l'impression que les cactus en fait vont pas être transformés. Hein. Les cactus, quelqu'un sait si je suis dans le bon truc ou si ça sert à rien ou... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais que c'est... Ah, j'ai oublié de vérifier un truc. Je crois qu'il restait du tissu à se faire, non? Je sais plus. Oui. Parce que le cactus, j'ai l'impression que le cactus, il est en tête depuis un moment, mais il passe jamais dans les machines. Donc, à mon avis... Bière d'orge. Saké. Ça, c'est cool. On va faire la serre. Cactus est dans les ruches? Ah! C'est vrai qu'il y a des, sur les cactus, il y a des fleurs. Hein. Cactus dans les ruches. Ok. On n'a pas de pinard, et ben on prend le saké. Nom de Dieu. Thank you.
ça, il faut 2 jours. Coucou Bella, comment vas-tu? Parce que là j'ai de l'orge. Mince. On va mettre cette fournée là ici. Du coup. Ah oui, il me faut mon seau. Oh là là, j'ai tellement perdu l'habitude. Il me faut mon seau pour la traire. J'ai complètement zappé ça. Ça va être très occupé par le futur déménagement et les 2 petits. Ah bah oui. Du coup. Tu déménages? Aïe aïe aïe, ça c'est chiant. Enfin c'est chiant. On est bien obligé d'y passer, hein, mais c'est vrai que le déménagement c'est pas génial. Hein. Il y a ces boulots de préparation, et après il y a le déménagement lui-même, et après il y a tout le déballage et le rangement. C'est une horreur. Et mets un petit lit de chaque côté pour la machine à yaourt. Exactement, c'est chiant. Voilà, Bella, c'est chiant, nom de Dieu. Petit lit de côté. Bah, tu sais quoi, Laetitia? On va les mettre de suite de côté, je vais les mettre là. Par contre, il faudra que je me rappelle de ne pas y toucher, quoi, parce que me connaissant, je vais en mettre un là. Il nous manque du coup celui-là de chèvre. Et après, le prochain lait, je le transformerai en petit fromage. Et le prochain chèvre aussi. Des chèvres, c'est un peu plus long, mais... Bah, bon courage, Bella. Des bisous. À plus tard. Merci d'être passé, faire le petit coucou. Alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. J'ai tout fait aujourd'hui. Donc, cassos. Bah, on va dodo. Voilà. On va se coucher comme les poules. Et on se lève comme les poules. 107 000 encore, hein. Ça va. Hein. Cactus égale miel. Ah oui, j'ai oublié de les bouger du coup. Ok. Et ici. Très bien. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, le miel, c'est tellement galère que je suis pas prêt de les transformer, mais toutes mes fleurs en miel. Hein. Po, 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 po. J'avoue que là... Ah oui, ça, j'en ai besoin. Ok. Je vais les vendre, hein, tous ces cactus. Ça sert à rien que je garde tout ça, j'y arriverai jamais à les transformer.
Hop. Bonjour Mali, bienvenue à toi. Bonjour Sauvage, je suis une vieweuse de l'ombre, mais je me demandais si tu avais entendu parler du nouveau Farm Sim The Witch of Fern Island. Bravo pour tes vidéos. Oui! Alors, j'en ai fait une vidéo découverte au mois d'octobre de l'année dernière, puis j'en ai fait un live il y a quelques semaines. Et soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je commence un let's play en live dessus, Mali. Voilà. Et du coup, c'est cool de voir une vieweuse de l'ombre poser une question sur le chat, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Donc du coup, la serre. Ensuite, les animaux à gauche. On va. Je vais les faire de suite d'ailleurs parce que ça doit être construit normalement là. Voilà, on va pouvoir en faire un autre. Et du coup, on va pouvoir faire ça. Et les mettre là. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite. Donc en fait, le let's play en live de The Witch of Fern Island va remplacer Coral Island. En attendant que sur Coral Island, il y ait du nouveau contenu. Parce que là, on tourne clairement en rond et on fait plus grand chose d'intéressant. Zut, je l'ai manqué, je ne raterai pas les suivantes. Après, t'as la rediff hein, sur la chaîne, hein, si tu veux regarder. Le jeu a beaucoup marché, on a eu beaucoup de monde ce jour-là d'ailleurs, quand j'ai fait le live dessus. C'était pour te donner une petite idée, je vais te dire ça de suite, en direct, c'était il y a 13 jours, tu vois, c'était même pas il y a quelques semaines, c'était il y a même pas 15 jours. La vidéo a fait, enfin le live et le replay du live a fait 1400 vues. Ça a très très bien marché. Et j'ai beaucoup de gens qui me demandent le jeu. Et justement, quand j'ai posé la question à la commu, alors c'était pendant un autre live, hein, t'étais pas forcément là, mais beaucoup de gens m'ont le demandé, donc on va le faire du coup. Voilà. Parce que j'aime bien vous demander les choses et puis bah faire un peu selon ce que vous aimez aussi, quoi. Donc, j'avais mis dans les fûts. Sur la journée précédente, donc vous allez aller là. Il faut que j'aille voir la vache et la chèvre. Bonjour le déjanté, comment vas-tu? J'attends aussi la 1.1, j'ai même recommencé une partie. Alors moi je vais juste attendre, je vais pas en recommencer une, hein, mais. Ah, parfait. Alors. Donc on a notre premier petit lait de chèvre, on a notre deuxième lait de vache. Hop, du coup, le lait de chèvre, on le met de côté comme nous a conseillé de faire Laetitia, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est forcément ça. Voilà, donc on a un petit lait de chèvre, un petit lait de vache. Et ensuite, machine à fromage, oh, je me rappelle jamais. Ah, loupe. Loupé, loupé, c'est pas là. Donc on va transformer notre petit lait de vache en petit fromage. Et ensuite le petit fromage, on va le faire vieillir. Quel programme? Bon, par contre, il va falloir que tout ça passe avant, quoi. Donc pour faciliter la chose, je vais garder ça sur moi. Voilà. Ensuite, on va au charpentier, on va refaire un bassin, un truc à insectes. Ah, ça va être compliqué de remettre deux étangs aussi. Hein. Salut Kaline, comment vas-tu? En forme? Oui, en forme. Fatigué, mais en forme. En forme quand même. Quand je suis en live, je suis toujours en forme de toute façon. C'est un truc qui me rebooste du feu de Dieu, quoi.
À mon avis, ce soir, si on se fait une petite soirée un peu télé, à mon avis, j'ai tombé comme un caca. Comme un très gros caca. Donc, sorti de cette petite anecdote, j'ai rien d'autre à faire au niveau de la ferme. Des animaux, la serre est faite, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, je crois. Donc, c'est direction le pieu. Voilà. Comme ça, on enchaîne un peu les journées. On entend des rires et des roucoulements venant de chez toi. On dirait qu'un môme va faire... Un môme? Non mais sérieux. Va faire son entrée. Alors il va falloir lui donner un nom. C'est une fille. Oh bah incroyable. Je sais déjà. M'en veuillez pas, je vous demande pas votre avis. Ce sera Luna. Voilà. Avec un U à la hispanique. Vous et Alice venez d'avoir un bébé en bonne santé. Une fille. Et donc, un deuxième gosse qui sert à strictement rien. Voilà, bon, ils ont chacun leur chambre. Ça va, c'est bien. Là, on a le bureau. Ouais, et de quoi un bureau quand même? Ça va. Hein. Ça va, ça va. Hein. Ouais, c'est cool, hein, Laetitia. Donc là, il n'y a rien. Là non plus, ça n'a pas poussé encore. Ok. Très bien. Je me suis en vacances cette semaine, donc ça peut caler bien. Ah, ça fait plaisir ça. C'est cool, tu profites. On dirait un sushi dans sa feuille de vigne. Merci pour cette remarque incroyable, Alma. Alors, les fèves de cacao, j'ai pas l'impression non plus qu'on va pouvoir en faire quelque chose là-dedans. Alors, est-ce que mon petit... Ah, mon petit fromage, il est là. Donc, je peux remettre ça. Voilà. Il est là en train de se faire mon petit fromage. Parfait. Ah non, je me suis trompé. Attendez. Hop, fallait pas que je les enlève. Du vin? Miel de rose féerique. Je vous laisse bonne soirée. Merci Aurélie d'être passée. Bonne soirée à toi aussi. Merci pour les conseils. Et les astuces. Ok. Wow, c'est vrai que j'en ai plus besoin de ce lait-là. Du coup, maintenant. Ah, bah, on aura 4 de plus qu'on pourra mettre là sur la prochaine journée. Là, on est bon. Thank you.
Allez, on viendra les rechercher après. Donc on va essayer de diviser tout ça entre les deux chaînes de transformation qu'on possède. Alors ça, faut pas que je le mette. Voilà, on va faire ça. Mais non, toujours pas, Kaline, toujours pas, et on n'a toujours pas de date, rien, aucune info, c'est la tristesse la plus totale. Bah, le petit lit, on va le mettre là aussi, hein. Ok. Le cacao, tu peux le vendre. Ça se transforme pas? Ok. Ça marche. J'avais tout check là déjà. Ouais, certainement. Ok. Retournons à la serre. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Bon. Je crois qu'on bat tous les records de défilement de journée là. Suivante. Maison animée, avoir deux enfants, succès Steam. Ok. Oula. Il y a un bug de son. Oh là 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 là. Oh là, il y a eu un de ces freezes. Waouh. Ah. Ok. Alors là, il y a du matos. Il y a tout qui a poussé. Les personnages, je vais les revendre, hein, parce que. Qu'est-ce que vous voulez que je les transforme en... Qu'est-ce que vous voulez que je les transforme en miel? Ça, c'est cool. Il y a tout qui a poussé comme ça d'un coup, là? Les feuilles de thé, je peux en faire quoi, les loulous? Donc, ça c'est fait. Je pense pas qu'on replante, hein. Clairement, c'est tellement de boulot là à replanter que. Ok, on va aller rendre ici du thé, du jus. C'est pas là.
Débloqué arroseur niveau 3. Ok. Donc là, il nous manque vraiment que ça, quoi. Ah, c'est un béryl rouge qui nous manque. C'est vrai que j'avais l'info ici de la pierre précieuse qui nous manque deux fois celle-là et une fois celle-là, il nous faut encore. Et puis bah là, le fameux taco. Où il nous faudra du piment. Pour pouvoir le faire. On a quasiment tout fini à la DS, hein. C'est assez fou. Hein. Et encore, si on avait eu vraiment la chance comme toutes les autres pierres tombent, ça devrait être terminé en fait. Hein. C'est juste que ça veut définitivement pas tomber. Alors celle-là, on a eu la chance de l'avoir une fois. Mais celle-là, zéro quand même. Zéro, zéro, zéro. Du jus dans les fûts. D'accord. Eh bien, on va faire ça. Je sais pas si vous avez le même souci sur vos parties. Enfin, pour ceux qui essayent de tout compléter au niveau des collections, là. Mais c'est juste une horreur, en fait. Hein. Alors, dans les fûts comme ça, là, du coup. On va éviter de fixer. Hein. Ah bah non, j'ai pas de fût de libre. Bon, apparemment, il est distribué, donc on est bon. Ok, la laine. Le coton, pardon, c'est pas de la laine. Qu'est-ce que je raconte? Ici, y'a rien... Ah bah t'as bien de la chance Kaline, parce que moi il n'y a pas moyen. Et on peut pas dire que je les ai pas farmés. Hein. C'est juste que j'arrive pas du tout à les avoir. Donc là j'ai mon deuxième morceau de fromage pour le faire vieillir en fût. C'est ça, hein? Mais je sais même plus à force. Oui, c'est ça, hein? Donc, du coup, ça se passe dans l'autre bâtiment. La laine de mouton, ouais. Ça se passe ici. Faire les deux, hein. On va faire les deux. Alors ça on va le mettre là. Je peux pas en fait. J'essaye de passer, mais je peux pas passer. Il me faut encore un lait de chèvre. Et ben voilà. Parfait ça. Bon, je vais pouvoir les revendre. Comment on faisait déjà? Hop, allez, à dégager. Ça, c'est fait. Parfait. Non, je suis pas méchant. Mais ça, c'est le futur emplacement pour les buffles et les autruches. Quand la 1.1 sortira un jour.
On est quand même en avril, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même depuis le temps qu'on l'attend ce contenu. Suis pas méchant, je suis réaliste, hein. Du coup, allez, plus que deux, et après on fera le dernier étang. Il est 10h, on va aller le faire de suite. Encore deux petits pouces, encore un même. Et on est bon. Donc, qu'est-ce qui me reste sur moi? De la canne à sucre, du raisin et ça. Alors, toi, tu vas aller là. On a quasiment plus rien là-dedans. Canne à sucre. Je vois où je vais la mettre. Peut-être la mettre là. Alors, ça m'embête parce que. J'aimerais que le thé prenne le relais en fait. Si je remets de la canne à sucre, ça va pas le faire. Bah du coup la canne à sucre elle va aller avec le fromage. Ma faute, j'avais oublié le mien. Mais il n'y a pas de souci, Mali, t'inquiète. Mais c'est gentil. Quand on vous demande les pouces, on vous force pas non plus. Hein. Attention. Toute façon, ça je le mets là. Et là, c'est le même problème en fait. Je vais les garder. Je les garde ou je les revends? Je vais les garder. Fais ce que tu veux, Sébastien. Mais je sais que tu le feras pas, ou tu le feras et tu le remettras. Voilà. Bon. Une fois de plus, je crois qu'on a tout fait. Donc c'est go, dodo. Seize, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Donc ça, à mon avis. Ça ne... Les racines de tarot, ça va pas là-dedans non plus. Parce que là, j'ai deux bocaux qui... trois bocaux qui tournent pas.
Et les racines sont pas prises, hein. Donc, racine de tarot, du coup. Est-ce que quelqu'un peut me check, s'il vous plaît, si ça se transforme ou pas, et si ça se transforme, bah, dans quoi? Oh. Bah, ça, je connais pas le prix, tiens. En voilà deux. Alors, le fromage est passé. Du coup, bah, on peut mettre ça. Dans les fûts. Ah. Peut-être un oubli que j'avais... On me l'avait certainement déjà dit, puis je les avais peut-être laissés traîner. Hein. Pas du miel de cactus. Pas du tout. Toujours les roses sphériques. Ça c'est fait. On a les requins. Ensuite. Ok. On va aller faire un petit caninou à Mira, parce qu'il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Elle a plus à manger d'ailleurs. Ah! J'ai plus de paille, déjà. Ah oui, quand même. C'est vrai qu'on a beaucoup d'animaux. Et comme on a enchaîné les journées, va falloir que j'aille acheter de la paille. Ouais. Allez, du coup. Voilà, il y a tellement à faire. On va laisser. On va les mettre là. Alors, on a 20 requins à revendre. J'ai l'impression que j'oublie un truc. Je ne sais plus. Faudra que j'aille acheter le foin. On est passé à la serre, on est passé au... Oui, ça c'est en construction, ce sera fini prochaine journée. On peut l'acheter directement là, de toute façon, le... Hop, j'ai pas besoin de me déplacer. Où j'ai besoin?
Non, j'ai pas besoin. C'est juste chiant en fait d'acheter sur la boutique en ligne, mais bon. Il faut quand même 300. Hein. Dissoma, quand est-ce que tu fais faire un concours à Mira la poule? Un concours? Concours de quoi? Du plus petit œuf pondu? Elle est toute seule, la pauvre. Mais elle a son espace à elle, toute seule. Ah bon, et à mauvais côté? Du foin, donnez-moi du foin. On n'en a plus. On a eu que très rarement aussi des animaux malades. Ça n'a pas l'air d'être très fréquent. Hein. Alors, ça c'est fait. Parfait. Du coup, est-ce que tout le monde a à manger? Le concours au festival. Mais c'est avec des produits animaux, c'est pas avec des... C'est pas avec des animaux à proprement parler, si, Mira. 96 heures plus tard, Soma découvre le jeu. À quel niveau? Ouais, mais ils ont mangé pour la journée, là, normalement. Donc, puis s'ils n'ont pas mangé, ils se débrouilleront. Ce sera rempli demain. Il y a un concours et les animaux? Je m'en rappelle pas. De toute façon, je les fais plus, les festivals, donc... Du coup, voilà, quoi. Ça va être compliqué. Hop. Même le premier, tu avais buggé. Ah, la course là? J'avais buggé dans la course, non? J'avais pas fait une espèce de course. Et sorti de la course, je pouvais plus sortir du truc de. Bah, du parcours, justement, de la course. Ah, ça, par contre, on me l'avait jamais dit. Que pour avoir les œufs en or, il fallait que les animaux aient participé d'abord au concours. Parce qu'on a parlé des œufs en or. On m'a demandé plein de fois, est-ce que t'as tes animaux, ils ont déjà eu des œufs en or, tout ça, tout ça. Oui, la course du chien. Ok. C'est pendant Steven qu'il y a aussi un concours d'animaux, quoi. Enfin, de poularde, en l'occurrence. Enfin, pas que de poularde, mais j'imagine qu'on peut présenter n'importe quel animal. Mais c'est peut-être pour ça que je m'en rappelle pas en fait, parce qu'on l'avait pas fait du coup. Vu que j'étais buggé après la course avec le toutou. Il faut gagner le concours, d'accord. Non, il n'y a pas un délire comme ça du coup? Pourquoi je suis venu là moi? J'ai tout ramassé là? J'ai l'impression que j'oublie un truc. Oui, j'ai oublié ces bâtiments là. Oui, tu l'as jamais fait. Ah bah flemme. Hein. Ça avait qu'à pas être buggé. Il se passe quand ce concours? Mauvaise humeur. J'avais contente, Mira. En même temps, c'est vrai qu'elle, il faut que je lui donne à manger à la main. Ah, ça va mieux? Ça y est, t'es de bonne humeur maintenant? Non, toujours pas. Bah reste de mauvaise humeur. Quelqu'un sait ce que donne cette graine? Ah, perso, j'ai jamais présenté mes poules au concours et j'ai quand même les œufs en or. Merci, Caro, pour cette précision. C'était la première année. Oui, mais d'accord. Je demande la saison.
Et du coup, quelle graine, Mali? Parce que... Ah, tu as reçu sûrement une graine spéciale à planter. C'est la déesse qui la donne, si je me souviens bien. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle donne, mais je crois que c'est un animal mythique. Non, j'ai pas eu de graine. Ouais, je crois pas. Alors j'ai tellement stocké de trucs à droite à gauche que j'avoue. À la rigueur, je pourrais planter toutes ces graines sauvages. Ça ferait une place de libre. Mais j'ai pas souvenir d'avoir une graine spéciale. Hein. Alors pas du tout. Mais après, avec ma super mémoire de poisson rouge, au printemps, l'event, ok. Oui, Mali, je l'ai eu, la graine spéciale, ça débloque un petit animal feuillu comme animal de compagnie. Ah non, je sais pas ça, moi. Mais faut peut-être avoir fini tout le truc de la déesse, non? Ça me parle pas du tout, hein. Et du coup, l'animal feuillu, ce serait pas lui, là? C'est où déjà? Ce serait pas lui? Vu qu'on est dans la catégorie des animaux de compagnie, c'est le dernier. On l'a quand même quand on a déjà un animal de compagnie. Oui, quand on a tout donné. Bah moi, du coup, il me manque trois trucs à donner, hein, pour tout compléter. Et ça doit être lui, du coup. C'est ce que j'en parlais tout à l'heure. On dirait une espèce de légume sur pâte. Je l'ai défini comme ça tout à l'heure. Les graines. Petite graine sauvage. Ah bah j'ai déjà tout planté. Ok. Donc on a ramassé tous les trucs d'animaux. On va aller les répartir. C'est ça, Soma. Bon bah ok. Je comprends mieux. Donc ça, il faut que j'aille le faire vieillir aussi. On est d'accord. Ici, tac. Ok. Ça c'est bon et il faut qu'on fasse. Alors du coup, on a le. Le 5... Ah non, le cinquième, il est toujours en cours. Ok, j'avais déjà check. Bon. Eh bien, écoutez, les loups, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Et donc, pour le let's play, pour le moment, qu'on va mettre en pause. En attendant une éventuelle, un jour, annonce de cette 1.1. On va aller dodo. Hop! Et on va refaire un point sur les choses à venir dans la semaine, vu qu'on va mettre fin au sondage. Alors, je suis un petit peu déçu du résultat, je vous cache pas. Je vous avais dit que si Eugene Chronicle n'arrivait pas en tête, hein, il ne serait pas présenté sur la chaîne. Bah, tant pis. Rendez-vous en juillet. Pourquoi juillet? C'est en juillet que c'est censé sortir? Il y a eu une annonce, Nomi? J'ai pas vu de date, moi. Donc, la clôture du sondage. À 53% voulaient Life is Feudal MMO. Du coup, ça ne change rien du tout à la semaine de live. Donc, je rappelle, du coup, aucun changement. Jeudi, vendredi, Planet Crafter,
samedi, du coup, Life is Food dans les mémos, sauf qu'on démarrera à 14h30 plutôt que 15h. Je vous ai donné les raisons en début de live. Et dimanche, du coup, Enshrouded. Enshrouded avec Mira, Chris et Dark. Voilà. Dès que j'ai les infos pour la semaine prochaine, je vous dirai ça. Hein. Pour l'instant, je n'ai aucune info. Donc, pour savoir s'il y aura que le live de samedi-dimanche de la semaine prochaine ou il y en aura plus. Alors, j'espère qu'il n'y aura que samedi-dimanche, hein, mais ça, voilà, c'est pas encore sûr à 100%. Sinon, j'ai à peu près fait le tour. Du coup, je vais remercier Mrs. Beers, Chris et Gérald pour la modération du live. Je remercie tous les loulous qui ont interagi dans le chat, ainsi que les loulous de l'ombre qui sont intervenus dans ce dernier, notamment Mali. Ça fait plaisir. Bon, merci à toi. Enfin, je crois que c'était Mali. Mais il me semble bien hein, qu'il s'est déclaré viewers de l'ombre. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai remonté le chat et j'ai vérifié l'info. Je vous souhaite une bonne soirée les loulous, prenez soin de vous, on se dit du coup maintenant à jeudi pour ceux qui seront là, et à plus tard pour les autres, je vous rappelle Planet Crafter, j'ai hâte de m'y remettre avec Mira. En attendant, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde!